Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où le saint vient, cela devient consacré. Quand un endroit a la visite du saint, cet endroit devient saint. Et cet endroit était consacré. C'était le lieu de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu as marché partout comme tu as voulu, mais ici c'est ma présence. Tu enlèves tes chaussures. J'ai besoin d'un prophète qui est pieux nu. Cela nous enseigne quoi? La sanctification. Frères et sœurs, la présence de Dieu exige que tu enlèves tes chaussures. Que tu enlèves le péché de ta vie. Que tu enlèves les mauvaises paroles, le mauvais caractère. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie. Ce sont des souliers. Il y a des relations qui doivent quitter ta vie. Ce sont des souliers. Des relations toxiques. Il y a un caractère qui doit quitter ta vie. Ce sont des souliers. Il y a une manière de parler qui doit quitter ta vie. Ce sont tes souliers. Il y a une chose qui doit quitter dans ta vie. Une chose que tu as mal acquise. Tu dois quitter, abandonner cette chose. Ce sont des souliers. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, ce sont les souliers. Regardez, avant que Dieu ne commence à se révéler à Moïse, avant qu'il commence à lui donner les secrets de la puissance, avant qu'il ne transforme son bâton en bâton de puissance, il lui a dit d'abord d'enlever les souliers. Nous ne changerons jamais la Bible, mes frères. Aujourd'hui, l'Église refuse le message de la sanctification. Les chrétiens veulent un évangile sans repentance. Les chrétiens veulent une église sans sanctification. Ça n'existe pas. Vous voulez la présence de Dieu, vous devez haïr le péché. Vous voulez l'approche de Dieu, vous devez vous sanctifier. Vous voulez entrer dans la présence de Dieu, vous devez dire non au monde, non au diable. Chaque fois que tu refuseras de te sanctifier, l'accès à la présence de Dieu te sera fermé. Si Moïse avait refusé d'enlever ses sandales, mes frères, il n'allait pas voir la révélation de Jésus. Ta vie bloque parce que tu bloques ta repentance. Ta vie bloque parce que tu bloques d'abandonner la chose que Dieu t'a demandé. Et ainsi, nous avons des Moïse chaussés, mais qui sont en train de parler devant un buisson ardent. Ce n'est pas le vrai buisson ardent, c'est un faux buisson ardent. Une vie chrétienne qui continue à être paisible malgré le péché n'est plus la vie chrétienne. Un chrétien heureux, malgré qu'il pêche, n'a pas la joie du Saint-Esprit. C'est une fausse joie fabriquée et créée. Nous, les chrétiens, nous trouvons notre joie dans la communion avec Dieu. Et lorsque tu pêches, tu n'as pas de joie. Un véritable chrétien ne peut pas avoir la joie dans le péché. Comment peux-tu être dans la joie alors que tu vis dans le péché? Comment peux-tu être dans la joie alors que tu es lié par un péché? Comment moi j'aurai la joie? Je ne peux pas avoir la joie si je suis lié par le mal. La seule chose que je ferai devant Dieu, c'est de pleurer. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, enlève ça de ma vie. Seigneur, enlève ça de ma vie. Lorsque ça va me quitter, alors j'aurai la joie. Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à aller en enfer? Comment je peux avoir la joie alors que je me prépare à rater l'enlèvement? Comment je peux avoir la joie alors que je sais que je suis déconnecté de Dieu? Comment je peux avoir la joie alors que je sais que si je meurs, j'irai en enfer? Comment j'aurai la joie alors que je sais que si Christ revient, il va me laisser? Comment j'aurai la joie? Vous devez enlever le péché de vos vies. Et je t'assure, frère, lorsque tu as vécu longtemps dans un péché et tu l'abandonnes, tu recevras une paix et une joie, je t'assure. Et ce jour-là, quand tu vas prier, tu vas sentir les portes s'ouvrir. Dieu n'a pas enlevé les chaussures de Moïse. C'est Moïse qui devait les enlever. Mais Dieu lui donne l'ordre et c'est lui qui enlève. Dieu ne peut pas te sanctifier sans ta volonté. Certains s'attendent un jour, ils se retrouvent sans souliers. Non, Dieu est poli. Dieu ne peut toucher à tes chaussures sans que tu le veuilles. Tu as tissé une relation illicite avec quelqu'un, Dieu n'ira pas parler à cette personne. C'est toi qui as créé cette relation. C'est toi qui dois défaire la relation.
Tu as pris une chose volée, c'est toi qui dois rendre cette chose. Cette chose ne quittera pas ta maison. Dieu ne peut pas enlever le mal de toi sans ta volonté. Et vous qui, tout le temps, justifiez le péché en vous. Vous justifiez le péché. Vous avez toujours des arguments pour continuer. La chair est faible. Tout le monde est pécheur. Dieu est tolérant. Dieu est amour. Vous pensez que même les hommes de Dieu, frère, fais attention à tes justifications. Et regardez maintenant. Lorsque Moïse enlève ses chaussures, lorsqu'il obéit au protocole de la sainteté, la Bible dit ceci. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia! C'est alors que Dieu se révèle à Moïse. Lorsqu'il enlève les chaussures, Dieu lui révèle qu'il est je suis, qu'il est le Dieu permanent, qu'il est le Dieu qui était Dieu quand Abraham était homme et qui est Dieu quand Isaac est homme et qui est Dieu quand Jacob est homme. Abraham est mort, mais lui, il est Dieu. Isaac est mort, mais lui, il est Dieu. Jacob est mort et lui, il est Dieu. Et Moïse est mort, il est resté Dieu. Il s'est présenté comme le Dieu en qui il n'y a ni ombre de changement et de variation. Il s'est présenté comme celui qui n'a ni commencement ni fin. Il s'est présenté comme celui qui ressuscite les morts, car il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de vivants. Et s'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, donc il va ressusciter Abraham, donc il va ressusciter Isaac, donc il va ressusciter Jacob. Il s'est présenté comme le Dieu incréé mais créateur de toutes choses. Il s'est présenté comme le Dieu qui subsiste après la mort de ses serviteurs. Abraham est parti, mais il est resté Dieu. Isaac est parti, il est resté Dieu. Jacob est parti, il est resté Dieu. Et toi, tu partiras, il restera Dieu. Oh, donne-moi un amen. Oh, Dieu veut se révéler à toi, mais enlève tes chaussures. Il veut se révéler à toi comme étant je suis la guérison, je suis la délivrance, je suis la bénédiction, je suis l'élévation, je suis le miracle, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis celui qui se conjugue toujours au présent, qui ne connaît ni passé ni futur, mais qui est toujours présent dans le futur et dans le passé. Oh, donne-moi un amen. Tu veux la révélation de Dieu? Enlève tes chaussures. Il a son pied gauche sur le passé, son pied droit sur le futur, et il est assis sur le présent. Il maîtrise le passé comme il maîtrise le futur, et il est assis sur le présent. Je suis le Dieu de tes pères. Moïse, tu as besoin de la connaissance de Dieu parce que bientôt tu vas rencontrer Pharaon. Et si tu rencontres Pharaon sans révélation de celui qui t'a envoyé, Pharaon va te détruire. La plus grande arme de l'envoyé n'est pas l'arme, mais c'est la révélation. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu seras efficace. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu seras efficace. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as besoin de connaissance. Tu as besoin de révélation. Tu as besoin de cela. Le combat est grand. Tu dois manger la connaissance. Le futur est grand. Tu dois manger la connaissance. Jésus est en train de voir des adversaires puissants. C'est pourquoi tu dois être puissant dans la révélation. L'Éternel voyait qu'il y avait des magiciens de l'Égypte qui attendaient Moïse. C'est pourquoi il devait voir la révélation que je suis et je suis. Je suis la lumière quand tu veux la lumière. Je suis les ténèbres quand tu veux les ténèbres. Je suis le goudron lorsque tu veux diviser en deux la mer rouge. Je suis. Et Ravachaka. Ta vie changera lorsque tu enlèveras tes chaussures. Enlève tes chaussures et il va te révéler qui il est. Il va te révéler qu'il était de votre famille. Je suis le Dieu de tes pères. Nazalara na famille nabino. Je suis le Dieu de tes pères. C'est-à-dire, je suis membre de ta famille. Je ne suis pas un Dieu lointain.
J'étais là lorsque tu es né. J'étais là lorsque tu pleurais sur le Nil. Et c'est moi qui t'ai protégé pour que les crocodiles ne te mangent pas. Et j'étais là lorsque tu étais dans la maison de Pharaon. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu deviennes Pharaon. J'étais là lorsque tu as fui. J'étais là lorsque tu étais dans le désert. Et je serai avec toi. Lorsque Moïse reçut la révélation que celui qui lui parlait, c'était le Dieu de son père, de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a permis à Abraham d'avoir un enfant alors que sa femme était doublement ménopausée, le Dieu qui était avec Isaac et qui lui a donné Jacob, le Dieu qui était avec Jacob et qui lui a donné Judas, qui lui a donné Joseph, et le Dieu qui a donné à Jacob Lévi. Et Moïse est venu par Lévi. Il connaissait, il avait l'histoire de ce Dieu. C'est pourquoi il allait à la montagne d'Horeb, parce qu'il avait l'histoire, mais il avait besoin de la révélation. Et lorsque Dieu se révèle à lui, la Bible dit que Moïse cacha. Pourquoi? Parce qu'il se cacha son visage, parce qu'il craignait d'avoir vu Dieu. La révérence, le respect. La présence de Dieu exige la révérence et le respect. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui causent en plein culteur. Je ne comprends pas les chrétiens qui chiquent en plein culteur. Je ne comprends pas les chrétiens qui téléphonent en plein culteur. Je ne comprends pas les chrétiens qui marchent, qui descendent et qui montent en plein culteur. Je ne comprends pas cela. Quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas que devant un arbre, mais qu'il était devant Dieu, il a dit: je vais mourir car j'ai vu la face. La présence de Dieu exige la révérence. C'est pourquoi Paul dit que nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous ne devons pas servir Dieu sans crainte. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'on leur donnait la gloire qui revenait à Dieu, ils déchiraient les vêtements. Pourquoi? Ils servaient avec crainte et tremblement. Ils savaient que c'était un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. Oh, mais une chose que j'aimerais que tu apprennes aussi, c'est que des fois nous tombons dans les extrêmes. La révérence devient la peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui, Dieu veut que tu le respectes. Mes enfants n'ont pas peur de moi, mes enfants me respectent. Mon fils est mon ami, mais il me respecte. Mon fils me respecte mais n'a pas peur de moi. Mais certains chrétiens tombent dans le piège, c'est que lorsque la présence de Dieu descend, ils ont peur. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur, pas toi l'enfant. Car la puissance de Dieu n'agit pas contre toi mais agit en ta faveur. Lorsque la gloire de Dieu sature l'église, un véritable enfant de Dieu est dans la joie. Il dit: papa est là. Regardez Pierre, la gloire de Dieu resplendit sur la montagne de la transfiguration. Il dit quoi? J'aimerais faire 3 temps de rester ici. Il n'a pas envie de fuir, il a envie de rester. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Il dormait là, sur la poitrine du feu dévorant. Jean dormait sur la poitrine du feu dévorant. Sur la poitrine de celui qui a créé le soleil. Il dormait là, mais il le respectait, il l'honorait. Arrêtez d'avoir peur de la présence de Dieu. Quand la puissance de Dieu tombe ici et les gens tombent à gauche et à droite, l'enfant de Dieu est content. Merci Seigneur, guéris encore, délivre encore, chasse les démons. Mais tu ne dois pas avoir peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est papa qui est à l'œuvre. C'est papa qui est à l'œuvre. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé Moïse au sommet du Sinaï, même s'il y avait des trompettes et des éclairs et des tremblements de terre, Moïse montait. Trompette, il monte. Tremblement, il monte. Pourquoi? Papa. C'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Lévi. C'est le Dieu de mon père.